Bonjour, bienvenue au Capsule d'Alexis. Aujourd'hui, on cuisine des crotons de porc maison. Pour la première étape, on va faire suer nos oignons et notre ail dans notre chaudron. Alors, avec un tout petit peu d'huile, mettez-en pas trop parce que le porc en soi, même si on le prend maigre, c'est gras. Voilà, les oignons ont sué. On va ajouter la viande, comme ça. On va brasser pour que les oignons soient quand même incorporés dans la viande. Et tout de suite, on va couvrir avec du lait. C'est important que le lait soit gras dans son pourcentage. Donc, on parle de 3,25. Et là, on va couvrir uniquement pour recouvrir finalement la viande. Le lait recouvre bien la viande, donc on va ajouter le clou de girofle moulu. Comme ça. On va remuer à nouveau. Et là, on va cuire ça à feu doux avec le couvercle. Mais le couvercle comme ça, avec une petite ouverture quand même pour laisser la vapeur s'échapper. On cuit ça pendant au moins 1h30. On veut que le lait devienne translucide. De toute façon, je vous retrouve à cette étape-là. Alors, ça va être important de brasser en cours de cuisson. Vous voyez, le lait est déjà quand même translucide, incroyable, mais vrai. Donc, on brasse évidemment pour pas qu'on se ramasse avec un pain de viande, là. Et on veut pas non plus que les crotons collent dans le chaudron. Ça y est, les crotons sont prêts. Alors, je vais vous montrer la texture que ça doit avoir. Alors, vous voyez, il y a encore un peu de liquide, mais c'est ce qu'on veut parce qu'on ne veut pas que les crotons soient secs. Il ne reste plus qu'à remplir nos petits bols, nos petits contenants. C'est important de mettre du liquide aussi, hein? Donc, vous ne prenez pas juste la viande, vous prenez un petit peu aussi de liquide. Voilà. Et on va réfrigérer. Vous pourriez même congeler les crotons et les sortir une nuit d'avance pour les décongeler, pour un brunch par exemple. Sur ce, joyeux temps des fêtes!